Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures dont le lien figure au bas de cette vidéo. Bon matin tout le monde. Je vous donnerai probablement plus de détails un petit peu à un autre moment donné, mais aujourd'hui c'est journée reset. J'ai besoin d'un reset sur plusieurs niveaux, personnel, couple avec les enfants, professionnel aussi. Et puis j'ai réalisé, même si Laurent me le disait depuis un certain temps, que j'avais besoin de prendre plus de temps pour moi. Et la meilleure chose pour moi, c'est faire du sport, faire une activité physique, ça me manque. Depuis qu'on est dans cette vie nomade, j'avoue que j'ai pas beaucoup fait de sport. J'ai fait des petits moments à droite et à gauche, je fais du yoga, je fais des courir, mais vraiment rien de régulier. Et puis, j'ai envie de... C'est pour moi, c'est une façon vraiment de se ressourcer dans sa tête et être mieux dans son corps. Je vais sauter à l'eau, je veux dire, j'ai une piscine à côté de moi, j'ai vraiment pas d'excuses. Il faut juste le faire. Des fois, l'évidence est devant nous, mais on le fait pas. Et un de mes mots-clés, c'est être dans l'action. Même si vous pensez qu'on est dans l'action, on a tous nos défis intérieurs. Et moi, j'avais besoin de ce reset-là. Ça fait que j'en fais un tout petit peu. Je voulais me réveiller tôt pour le faire, il est déjà 8 heures. Fait que le bateau commence déjà à se réveiller. Mais j'y vais quand même. Même si dans ma tête, je me dis « Ah, c'est pas grave, commence demain. Là, il faut que tu prépares à manger, il faut que la journée commence, il faut qu'on fasse école avec les enfants. » Puis Laurent va s'occuper de ça. Et avoir un appui, ça vaut de l'or aussi. Ça fait que je vais sauter à l'eau, je vais aller faire ma petite nage, je vais aller nager jusqu'à la bouée là-bas, je vais revenir et puis après ça commencer la journée. Ça éclaircit les idées. T'as la chance d'avoir la plus grande piscine du monde. Tu sais. À côté de ton lit. Tu sais. Mais des fois, on a les choses vraiment prêtes puis on s'en rend pas compte. On l'apprécie pas. Faut goûter, faut prendre le temps. Encre aujourd'hui veut juste pas tenir. Mais qu'est-ce qui tient? Un gros caillou! On commence vraiment à perdre patience. Ça fait bientôt 2 heures qu'on est juste en train de tourner en rond, on essaie de mettre l'ancre. Là, on a attrapé un caillou, une grosse roche. Et puis là, depuis, on n'arrive pas à trouver un endroit où l'ancre tient bien. Fait que là, on commence à
5 mouillages. On va voir dans quel état il est. Quoi? J'ai dit après 4-5 tentatives de mouillage, on va voir dans quel état il est. Putain, ça va. Hein. Ma patience a des limites. C'est un bon samedi matin. Hein? Pourtant, le ciel est... Ouais. Moi, je croyais avoir un café tranquille. Ouais, non. Je pense que notre café, il est froid. Café froid ce matin. Et là, j'ai vraiment faim. Il est 11h17. 2h. 2h à tourner en rond. Ou essayer d'enlever le caillou. La morale de l'histoire, c'est quand t'as pas besoin de bouger, bouge pas à moins qu'on te demande. Parce que là, on savait qu'on était un petit peu trop proche de l'entrée du port. Pour être gentil, on a dit ben, on va se déplacer tout de suite, il n'y avait pas beaucoup de vent, c'est une bonne, un bon moment pour le faire. Juste déplace-toi pas avant qu'on te demande. Moral of the story. Maintenant, allons manger. Bon, ben là, je sais pas trop quelle heure il est. Peut-être autour de 3h30, 4h du matin. Je me suis fait réveiller par des rafales. Hein? Fait que je me suis fait réveiller par des rafales de vent, le bateau bougeait. On savait que ça allait être une nuit avec 32 nœuds de vent. Mais ouais, ça fait que tu dors jamais vraiment bien dans ces moments-là. Puis au fur et à mesure, je trouvais qu'on se rapprochait d'un bateau qui était derrière nous. Et puis je suis allée réveiller Laurent, on a évalué la situation. Et puis lui, sur l'autre bateau, il s'est même levé aussi. On savait pas si c'était qui dérapait ou si c'était juste par rapport à l'orientation du vent. Puis la longueur de la chaîne. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était nous. Fait qu'on s'est vite mis en manœuvre de lever l'ancre. C'était vraiment, vraiment chaud. Mais tout s'est bien passé. Je pense qu'on a vraiment bien géré à deux. Laurent s'est pris parce que l'orin qu'on avait mis, c'est comme une bouée qu'on met pour identifier où est-ce que tu mets l'ancre. Elle était prise, puis il n'arrivait pas à l'enlever. Ça fait qu'il était pris avec ça en avant. On avait du vent, tout ça. Ça fait que là, on vient de s'amarrer au port de Rubicon. Laurent vient juste de finir les amarrages du bateau. On est bien amarré. On est en sécurité. Mais c'est hallucinant. Je pense que c'est un coup de sirocco. C'est un vent chaud. Le vent du désert, c'est chaud, c'est sec, il doit faire 40 degrés. Avec la poussière. Et on n'a qu'à juste le fait de parler, on est tout de suite la bouche sèche. Et putain, ça plaisante pas en fait. Ouais. Non. Donc le mettre au monde quand c'est comme ça, c'est pas s'affoler. On a bien géré. Quand il n'y a pas beaucoup de bateaux, je suis pas sûre si ça vaut vraiment la peine, Laurent. C'est vraiment quand il y a beaucoup de bateaux, je trouve. Je sais pas, en tout cas, ça nous a pas servi cette nuit. Il a failli nous mettre un peu dedans, mais bon. Je pense qu'il faut rallonger un tout petit peu la corde, il doit manquer 20 cm. Et puis voilà, mais... Bon, en tout cas, ça soufflait, quoi. Ça, c'est sûr que... Ah non, mais ça a monté à 42 nœuds, là. Ouais, plus d'une fois. C'était plutôt un bon 30 nœuds. Un bon 30 nœuds établi, mais le bateau il tient normalement à 30 nœuds, c'est pour ça que je pense que Laurent a dû jouer sur... Je pense. Je sais pas. On avait 40 mètres de chaîne. Fait que... Alors, il y a des cailloux au fond qui font que l'ancre elle a pas crocheté comme elle aurait dû. Et j'étais allé voir, elle était bien posée, couchée dans le sable, enfoncée en grande partie quand même dans le sable. C'est pareil, l'entrée au port... C'était chaud, on n'était pas loin à côté des cailloux à bâbord. Oui, mais l'entrée, elle est pas large, l'entrée. Non, donc, c'est étroit. Mais l'entrée au port avec des rafales à 40 nœuds, c'est toujours aussi sportif, quoi, même si la mer est plate. Tu fais gaffe, faut mettre assez de puissance dans le bateau. Mais bon, écoute, on n'a pas finalement, ça s'est fait sans... Océane s'est réveillée, se posait des questions sur ce qu'on faisait. Je t'allais la rassurer, j'ai dit qu'elle pourrait aller à la piscine demain. La piscine du port. Mais putain, c'est la première fois que je ressens un vent qui aussi t'assèche. Ouais. Qui t'assèche toute la bouche. Alright. Sur cette note, good night. Bonne nuit. Off to bed.
L'eau est bleue. Turquoise, turquoise, turquoise. Maman, allez! J'arrive! Partez pas sans moi! Allez, oula, 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 ça bouge, ça bouge, dis donc, ça bouge les brebis. J'ai dit que je fais pas de vagues. Donc non. Ici à Playa Blanca, c'est vraiment un beau port, une belle marina, parce qu'ils ont vraiment, vraiment bien aménagé tout le long du port. Il y a des petits restaurants, il y a des magasins, plein de magasins. La vie était, avait plus ou moins repris, c'est-à-dire que probablement un magasin sur deux était réouvert. Une chose qui est compliquée ici à Playa Blanca, c'est la location de voiture. Même partout sur Lanzarote, c'est extrêmement difficile, à moins que tu arrives à l'aéroport ou que tu es à un hôtel, dans un hôtel. Sinon, vraiment, vraiment compliqué d'avoir une voiture. Fait que ça a beaucoup retardé notre possibilité de visiter l'île. Mais sinon, on a vraiment, vraiment apprécié le port. Parce que c'est vraiment super joli. Ils ont gardé le cachet de l'île, les roches volcaniques, tout ça, puis ils ont un peu construit autour. Puis c'est pas tous des super grands hôtels, des gros bâtiments. C'est plutôt discret. Fait que c'est vraiment joli. Ici, c'est l'hôtel du volcan. Franchement, on n'y est pas allé. Mais si on pouvait se payer une bonne nuit d'hôtel avec vue splendide sur Playa Blanca, avec des piscines semi-privées, tout ça, franchement, ça a l'air à vraiment valoir la peine. On a vu beaucoup de touristes venir ici cet été. Et puis, c'est un petit peu de luxe, mais ça a l'air à vraiment valoir la peine. Donc ici, une super belle place, l'Oasis, super beau, bel endroit pour les cocktails. Et puis là où nous, on a passé beaucoup de temps, et ben, c'est la piscine là-bas. Là, on y a passé pas mal de temps. Donc vraiment, c'est un endroit, c'est pour ça que c'est une marina qui est vraiment, vraiment bien aménagée, avec plein de belles choses à faire. Pas commandé? Bon, dès qu'il y a une piscine, ça passe pour les enfants. Ouais. Une piscine ou un parc aquatique ou un parc attractions ou plein de choses. On n'a pas pu faire, mais qu'on va de là vraiment vraiment intéressant, c'est le Museo Atlantico. C'est un musée sous-marine et puis ça a l'air vraiment vraiment bien. Tu peux même, si ceux qui savent pas comment faire, c'est la plongée, tu peux faire un cours de baptême et puis un cours de plongée, je pense que c'est tout simplement un problème. Bon, voilà, ben on a fait le lavage, on a fait la lessive, on a fait le recyclage. On est allé faire notre geocaching et puis là ben, on va retourner au bateau, aller manger. Ciao.
peut avancer un tout petit peu plus vite. Bon, ben là, on commence à avoir un petit peu plus d'animation là, à Playa Blanca. On a des amis qui sont arrivés, qu'on suit depuis pas très longtemps. C'est les Nahuacs. Et aussi, on vient de rencontrer les Girotondo. Alors, deux familles avec deux filles d'un côté et trois garçons de l'autre. Et ça fait du plaisir pour les petits et les grands. Fait que là, ben, c'est un peu activité aquatique ce matin. Océane, elle a été invitée par... ses copines Océane et Éléonore d'aller faire du petit dériveur gonflable. C'est la première fois que je voyais ça. Fait qu'elle est en train de s'amuser, elle est en train de découvrir une nouvelle activité. Les trois filles qui s'amusent. Ah, c'est cool! Entre-temps, tu travailles sur quoi, toi? J'essaie de réparer un cordage qui tombait en ruine pour essayer de le rattraper et donc tu veux montrer ce que tu fais? Ben oui. Plutôt que de jeter le cordage, on essaie de le reprendre en faisant une boucle et de passer, de refaire en fait une boucle en bloquant les différents torrents les uns dans les autres et reconsolider le cordage. On trouve plein de tutos sur internet qui permettent de le faire. Ce sera certainement pas le mien le mieux. Mais on s'entraîne comme on peut. Et à l'arrivée, on verra ce que ça va donner. Bon voilà, on voit peut-être pas bien, mais on a fini par retresser un peu le cordage avec une boucle au bout. Alors ça tiendra ce que ça tiendra, c'est du dépannage, mais ça permet de garder les cordages un tout petit peu plus longtemps, peut-être de les utiliser, pas forcément un amarre solide, mais pour dépanner, si à un moment on a besoin d'un truc en vitesse, ça permet d'aider. Alors on peut mieux faire, hein. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes de résultats, mais bon, au moins ça tient. Encore besoin de m'entraîner un peu. Bon, alors là, petite situation au mouillage de Playa Blanca, quelque chose qu'on n'avait pas vu trop depuis qu'on est arrivé. Il commence à avoir un petit peu plus d'activité, il y a plus de bateaux qui arrivent. Et puis là, on a un gros kata qui vient de s'installer à côté de nous. Ils ont posé leur ancre, ils sont partis. Et il y a eu quelques petits coups de vent inattendus qui sont venus et on voit que le kata, il bouge pas mal plus qu'il devrait. Fait que là, Laurent et Océane vont partir. Regardez la situation de plus près parce qu'il est tout près d'un autre bateau dont personne n'est dessus le bateau non plus. Allez! Avec ce bateau, le kata, il se rapproche dangereusement de l'autre voilier. Et qu'ils vont aller voir un petit peu plus près. Océane qui aide Laurent, c'est elle qui manœuvre l'annexe. Et Laurent qui regarde l'état de l'ancre. Tu vois, il faut toujours regarder.
regarder comment les bateaux se déplacent, l'orientation par rapport au vent. C'est pas évident. Chérie, il se rapproche, hein? Il se rapproche! C'est bon là! C'est bon, mais il va se remettre dessus! Bah! Bon, ben là, Laurent et Océane arrivent de juste aller voir le monsieur qui revient sur son voilier pour lui informer de ce qui s'était passé. Tout semble bien. Donc, ben, espérons que le Kata, ils vont revenir sur leur bateau bientôt. Le Kata, il a quand même ancré assez proche des autres bateaux, puis il doit avoir, il a bien 35 mètres de chaîne. Okay. Et son ancre est juste posée. Donc il n'y avait pas de vent quand il est arrivé. Et il y a eu une rafale tout à l'heure de 20 nœuds, on l'a vu rentrer. Et la rafale a fait tourner, a fait éviter tous les bateaux, donc il les a fait tourner. Et j'ai vu tout de suite le Kata partir loin et sans avoir la chaîne qui se tend. Et du coup, je le voyais se rapprocher à la fois de l'autre bateau là-bas et puis des cailloux, quoi. Donc, on a gardé en observation. Et puis à un moment, bah, il a fallu monter dans l'annexe parce que le bateau, ils étaient à un mètre l'un de l'autre, quoi, à peu près. Enfin, t'as dû le voir. Là, on le voyait bien. Là, c'est pour ça, une fois qu'il avait juste poussé un tout petit peu, là, ça allait. Il fallait pas trop le pousser non plus. Mais bon, même moi, j'étais du mauvais côté. Quand je l'ai poussé, j'étais du mauvais côté. Je m'étais pas mis entre les deux. Okay. Donc, je le faisais avancer sans savoir exactement comment je le faisais avancer. C'est pour ça que moi, je le voyais bien. Je voyais l'écart se faire et que c'était plutôt bien. Mais voilà, puis les deux propriétaires n'étaient pas à bord. Donc là, je viens d'aller voir le propriétaire espagnol de l'autre bateau. Puis, ouais, du voilier. Je lui ai dit et puis j'irai voir les propriétaires du Kata quand ils rentreront. Parce que c'est un beau Kata, hein. Ben oui. 50 pieds, lagoon. Mais l'autre bateau, le monocoque, il n'aurait pas fait long feu. On est en train de prendre une vidéo et puis paf. Donc là on est en train de prendre une vidéo et puis tout d'un coup on a revu exactement la même situation qui se passait. Le Kata qui a fait exactement comme on l'a vu tantôt, mais avec une grosse rafale, il s'est collé directement à côté. Heureusement, l'Espagnol est de retour sur son voilier, alors Laurent va essayer de le pousser, je pense. Laurent est en arrière, là, il essaie de le pousser. Bon, ils ont réussi à s'écarter un tout petit peu, mais là, oups. La rafale, là. Bon, ben, le Kata est toujours l'eau, mais au moins il y a un peu de bateau à côté de lui, et on espère qu'il y a. Bon, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que la famille s'en va et se sépare. Ça fait 18 mois qu'on est toujours ensemble, tout le temps. 24h sur 24, ce qui parfois peut créer des petites tensions, mais
Mais bon, on s'était habitué à tout ça. Et puis ben, aujourd'hui, Lynn et les enfants repartent en France pour à peu près 3 semaines, peut-être un mois. Moi, je vais partir travailler normalement fin de semaine prochaine vers les Comores pour une mission avec le comité olympique. Donc voilà, ça va me faire partir 10 jours, 12 jours là-bas à peu près. Voyage compris, repasser par Paris ensuite pour 3-4 jours et puis revenir au bateau. Donc voilà, la famille se quitte. Ça va être un moment... Ça va être un moment un peu difficile, je pense, parce que, bah, mine de rien, moi, ça va me manquer tout ça. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Bon, ben, ça fait plus d'un mois qu'on est à Playa Blanca. Et puis aujourd'hui, on se prépare pour rentrer en France. Aller voir la famille, voir les amis, ça va vraiment faire du bien. J'avoue que ça a été un mois plus difficile, je pense, mentalement, juste par rapport à changement de plan. On avait prévu aller au Cap-Vert, on avait prévu mettre les enfants à l'école. On se projetait vraiment là-dessus. Puis, en raison d'une déchirure de notre génois d'occasion, malheureusement, on ne peut pas se rendre jusqu'à destination. Ça fait qu'on est resté à Playa Blanca. J'avoue que j'étais sur une dynamique pour reprendre un petit peu plus de souffle. Des fois, ça fait du bien aussi de faire une pause. Et puis, les enfants, eux aussi, de pouvoir retrouver d'autres amis. Il y a eu quelques passages de famille. Donc, heureusement, on a eu des belles familles qu'on a croisées, mais plutôt sur quelques jours. Et puis là, ça recommence. On commence à avoir un petit peu plus de famille parce qu'on se rapproche des itinéraires de gens qui se préparent pour la transatlantique. Mais ouais, j'avoue que le mois de septembre, il a été un peu plus long. On ne pouvait pas faire les choses qu'on voulait faire à terre. Et c'est comme ça. Il faut être prêt à pouvoir s'adapter. Mais une petite pause va aussi nous faire du bien. Laurent, il va aller pour une mission à l'étranger. Ça fait que chacun, on va retrouver un petit peu plus d'espace pour mieux se retrouver par après. Je pense que c'est important de pouvoir s'écouter et de pouvoir, avoir aussi un petit peu de temps à soi. Bye, Nuxut. On se revoit dans un mois. Je vais revoir mes chatons, je vais revoir ma mamie, je vais revoir tout le reste de mes jouets. J'ai trop content. Et tes copains? Oui. Quitter ce qu'on aime pour en retrouver d'autres, c'est pas toujours évident. C'est dur quitter son papa. Avec le départ de Lynn et les enfants, aujourd'hui c'est navigation en solo pour ramener le bateau à Arrecife. Ça va être ma première nave en solo, ça va prendre à peu près 4 heures. Pas énorme, mais ça va être surtout du près, on remonte au vent, donc avec probablement des accélérations aussi de vent avant l'arrivée, comme c'est souvent le cas sur cette île à Lanzarote.
lost within a day. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. Too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Proche, on approche d'Arrecife, j'ai tiré 2-3 bords pour arriver, et puis voilà, il y a 25 nœuds devant, donc je vais tracer tout droit, on a une cardinale à passer, donc j'ai roulé le génois, et puis je vais affaler la grand-voile, comme ça ce sera fait pour préparer après l'arrivée au port. Marvin est venu m'aider à. Marvin Nomad Citizen s'est venu m'aider à amarrer un peu le bateau quand je suis arrivé. Il n'y avait pas de marinero là aujourd'hui, ils étaient tous pris. Donc le bateau est bien amarré, pas de soucis pour arriver. Il ne reste plus qu'à essayer de mettre un peu d'ordre, ranger, je vais passer un coup de jet, m'occuper des lessives, etc. Pour partir demain matin. Il faudra aussi que je fasse ma valise, ce sera pas mal. Et voilà. Ça fait un peu drôle là, d'arriver tout seul dans le port, mais bon, la famille me manque un peu.